J'ai toujours eu un intérêt pour les affaires publiques et pour la place du Québec, à cause sans doute de mon entourage d'études et aussi mon entourage familial. Lorsque le Parti libéral dirigé par Jean Lesage a été élu à la gouverne du Québec en 1960, c'est alors qu'on a pu imposer la fréquentation scolaire obligatoire aux jeunes et qu'on allait aussi développer tout le secteur de l'éducation toute la vie. Mais j'ai été appelé, évidemment, par mes diverses fonctions, celle de ministre à Québec, celle de président de l'ACDI, et aujourd'hui, par la Fondation Paul Giray-Lajoie, j'ai été amené à jouer un rôle sur la scène internationale pour donner au Québec vraiment sa place dans la francophonie. Parmi les activités de la Fondation Paul Giray-Lajoie, il faut mentionner la dictée PGL, un instrument de propagation de la langue française. Je dirais que ce dont je suis le plus fier, c'est le système d'éducation du Québec qui permet aujourd'hui à tous les jeunes Québécois d'avoir accès à l'école. Alors tout cela, c'est un grand rayonnement auquel j'ai eu l'honneur d'être associé et j'en suis bien fier.